Eh bien, bonjour, moi c'est Elsa Bechtel, je suis commerciale chez Kerry à Grasse et je participe au rallye achat des gazelles avec Marjo pour la 30e édition. Moi c'est Marjorie Huette, j'habite Pégoma et je travaille pour la société Les Maisons du Soleil. Si aujourd'hui on est ici, c'est qu'effectivement bientôt on va participer au rallye achat des gazelles et c'est une aventure dans laquelle j'ai entraîné Elsa. Donc ça a commencé il y a 2 ans lors de la réunion d'information qui s'est déroulée à Nikaya, à Nice, justement, pour participer au rallye Aïcha des Gazelles. On a réussi à quasiment boucler le budget. Il nous manque aujourd'hui un petit peu moins de 3000 euros. Et on a tout d'abord nos employeurs respectifs qui ont cru en le projet, qui nous ont donné quasiment la moitié du budget. Donc pour ça, on les remercie beaucoup. D'autres sponsors et puis également la mairie de Grasse qui a su répondre aussi à notre projet et qui nous aide beaucoup en termes de communication. Il faut savoir que le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un rallye 100% féminin. C'est le premier d'ailleurs rallye féminin au monde. La particularité de ce rallye, c'est que c'est une navigation à l'ancienne. Donc pas de GPS, rien. Boussole, carte, compas et on y va. C'est un rallye où l'idée est de parcourir chaque étape en parcourant le moins de kilomètres possible. Donc, et c'est là que toute la portée écologique rentre en jeu, puisque c'est un rallye qui met ça en avant, notamment. Le fait également que tout est recyclé, 100% des déchets sont recyclés sur place. Les bouteilles plastiques, par exemple, sont utilisées pour des constructions sur place de maisons. Donc il y a une vraie volonté d'aide sur place écologique. Et évidemment la portée humanitaire qui est extrêmement importante puisqu'il y a une caravane qui s'appelle Cœur de Gazelle qui suit ce rallye de près et toute l'année et qui permet aux populations les plus reculées dans le désert d'avoir accès à des soins puisqu'il y a des médecins de tout type, des dentistes, des médecins généralistes et puis il y a également tout type de fournitures, matériel scolaire, de produits sanitaires et que nous amenons aussi en tant que gazelle, enfin que nous apportons avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook avec en tapant Duna206 ou bien sur Instagram en tapant Duna206. Voilà. Dessus, vous avez effectivement le lien de la cagnotte pour pouvoir nous aider si le cœur vous en dit. Et puis bien sûr, sur ces pages-là, vous pourrez pendant le rallye suivre toutes nos aventures. En direct.